l'expression les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et on est très heureux de vous retrouver dans un cadre très été. Eh bien, comme d'accoutumé, on va commencer notre programme aujourd'hui, le 8 juillet 2021. Eh bien, il variera, la température variera entre 20 et 27, 28 degrés. Donc aujourd'hui, c'est clément, ça va. Eh bien, on commencera notre programme comme d'accoutumé avec notre spécialiste juridique, et il sera question aussi de parler des infractions douanières, eh bien, avec notre femme de loi, et bien Sabr Djamila. On parlera aussi des cas de Covid à Oran avec professeur Ben Hamed, chef de service de réanimation au CHU de Plateau. Et on parlera aussi de témoins, on aura des témoignages d'amis, de personnes qui ont côtoyé deux grands hommes de la culture, Al-Hajj Milyani Rabbi Irhmo et Miloud Halbouch. Bien sûr, on parlera de la troisième, on reviendra sur la troisième édition du Salon international de l'Invest Expo. Et bien, qui s'est déroulé du 1er au 4 juillet au Centre des Conventions d'Oran Mohamed Ben Hamed. On parlera aussi, eh bien, on finira notre programme en cette matinée en musique, puisqu'on parlera de la musique de la, du printemps, de la jeunesse et de la musique andalouse, et bien sûr avec des invités qui vont venir et qui vont égayer notre plateau. Et bien sûr, on commence avec une très belle chanson de Flashback. Il sera question d'apprécier une très très belle interprétation de Blawil Houairi Rabbi Yerhmou, Wahran fi Wahran Seknarzel. I'm
Fi Waran Sek Narzeli, une très très belle interprétation de Blawil Houeri. Alors, une chanson qui fait jusqu'à maintenant la une des Oranaises. D'ailleurs, elles se sentent très belles, bien sûr, les Oranaises. Elles sont brunes, c'est l'éthique et c'est aussi l'empreinte d'Oran. Et bien, sans plus tarder, puisque aujourd'hui on va commencer par notre rubrique habituelle, la rubrique de droit, puisqu'il sera question de parler des infractions douanières. Aujourd'hui, avec Sabar Jamila, bonjour. Bonjour. Ça va? Alhamdoulilah, bien. Alors, le nouveau cadre? Magnifique. Mais c'est aéré, c'est beau, on est vraiment, c'est magnifique. Et il fait bon en plus, très, il ne fait très pas bon. Très chaud, ça va. Voilà. C'est clément. Oui, pour l'instant. Le temps est clément. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des infractions douanières. Alors, quelles sont les infractions douanières? Voilà. Donc, bon, je vais essayer de banaliser les termes. Mmh. Afin que le cher téléspectateur puisse comprendre. Oui. Quand on parle d'infraction douanière, automatiquement, il s'agit du contentieux douanier. Mmh. Donc là, il y a un problème entre l'administration douanière et le voyageur, ou c'est-à-dire qu'il soit la personne physique ou morale. Ou... Donc, quand on parle d'infraction douanière, il faut savoir que l'infraction, elle est scindée en deux. Mmh. Il y a la contravention douanière, il y a le délit douanier. Exactement. Le délit douanier, il est plus grave que la contravention douanière. Donc, oui. Je vais expliquer. La contravention douanière, elle est de 5 classes. Oui. C'est-à-dire première classe, deuxième, c'est des degrés de gravité. Oui. C'est-à-dire de l'infraction, de l'illégalité commise par le passager ou autre, mm-hmm. ou le voyageur. Mm-hmm. Donc, la contravention douanière, donc, elle se limite, c'est-à-dire ou à la confiscation de la marchandise, mm-hmm. il y a une amende qui varie entre 5 000 et 10 000 dinars, qui n'excède pas 10 000 dinars. Hein. Mm-hmm. Voilà. Par contre, le délit douanier, c'est plus grave et il est passible de peine d'emprisonnement. De combien de temps? Ah ben, il peut aller jusqu'à 64 mois. Oh là là! Ah oui, 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 c'est très grave. Désolée, mais là, voilà. C'est un danger. Voilà. Et surtout, ce qui est plus grave encore, parce que les gens s'imaginent qu'une fois qu'il fait, c'est-à-dire qu'il il purge sa peine plus tôt, mm-hmm. il va sortir, il est tranquille. Non, parce que l'amende douanière, elle est très importante et elle peut aller jusqu'à 4 fois le montant de la marchandise. Ah, alors, voilà, quand on parle de 4 fois le montant de la marchandise, ça peut s'élever à des milliards. Eh bien oui, ça dépend de la marchandise qui rentre. Tout à fait. Mm-hmm. Donc, alors que la personne, une fois qu'elle purge sa peine, elle sort, donc elle est dans l'obligation de payer cette amende. Oui. Donc, s'il n'arrive pas à payer son amende, qu'est-ce qu'il fait? Il va y avoir la contrainte par corps. Ce qu'on appelle en arabe, l'ikrah al-bedeni. C'est-à-dire, s'il n'arrive pas à payer l'amende, il doit la faire en prison, en jour de prison. Ah, d'accord. Ah oui, oui, oui. Elle est évaluée. Elle est évaluée par jour, c'est-à-dire, ils vont évaluer. Par exemple, il doit à l'État, à l'administration douanière, plusieurs milliards, plusieurs, il n'a pas pour payer. On ne peut rien lui saisir. Donc, il est obligé de purger, c'est-à-dire de payer ça en jour de prison. D'accord. Et c'est plus grave. Parce que les gens s'imaginent que l'amende, elle est amende et ils ne vont pas, c'est-à-dire, elle va t'oublier. Ah non, 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 non. Il y a deux administrations étatiques en Algérie qu'il faut éviter. C'est les impôts et les douanes. Et les douanes, oui. Ils vont les traquer jusqu'à ce qu'ils récupèrent le dernier centime. Il faut faire très attention. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire. Ni faire vos papiers officiels, ni entreprendre, c'est-à-dire un projet, ni créer une entreprise, si vous n'avez pas réglé vos amendes avec les impôts et l'administration douanière. Voilà. Oui. Donc il faut être en règle. Tout à fait. Mmh. Si vous avez un problème, parce que la dernière fois, on a parlé, on parle d'infraction douanière, on a parlé de contravention, de délit. Mmh. Donc, si vous avez un problème, il y a ce qu'on appelle la transaction douanière. Douanière, exactement. La transaction douanière, c'est-à-dire on essaye de régler ce problème avec l'administration douanière à l'amiable. C'est-à-dire avant que l'affaire n'arrive devant les tribunaux. Exactement, voilà. Devant la justice. Voilà, donc ça va vous éviter les peines privatives de liberté, c'est-à-dire les peines d'emprisonnement. Mm-hmm. Ça va vous éviter les amendes très élevées. Ça va vous éviter d'entacher votre casier judiciaire. Donc ça va vous éviter énormément de problèmes. Voilà, oui. Donc essayez. Et c'est-à-dire vous avez des questions à poser. Mm-hmm. Vous ne savez pas ce que vous devez faire rentrer ou faire sortir. Rentrez sur le site, appelez l'administration douanière. Ils ont le numéro vert. Posez des questions. Voilà, ils ont leur numéro vert, le 1023. Ils ont un numéro
fixe aussi. Appelez-les, posez des questions, demandez des conseils. Le numéro vert, c'est le 10-23. Très bien. Voilà. Donc, appelez, essayez de demander, évitez ce genre de problème. Parce qu'on a vu certains passagers, bon, les douaniers, écoutez, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Ils ont le flair. En plus de ça, ils ont fait des formations pour tout ça. Tout à fait. Donc, ils ont tout un programme. Tout ils à ont fait. Aussi ce qu'il faut faire. Voilà. Les démarches tout aussi. Tout à fait. Mmh. Alors, des fois, ils ramènent des marchandises qui excèdent. C'est-à-dire, des fois, ils font des fausses déclarations. C'est-à-dire, ils ramènent une marchandise alors qu'ils donnent une fausse déclaration sur son origine, sa quantité. Ça c'est une contravention qui peut s'élever. Bon, la marchandise va être confisquée, plus l'amende. En plus, les gens, qu'est-ce qu'ils se disent, les voyageurs, que Dieu leur pardonne, ils disent non, c'est pour la famille, c'est pour... Et des fois, j'ai vu certains douaniers fermer les yeux, ils savent que les familles algériennes sont des familles nombreuses. Ils sont gentils quand même. Voilà, oui, exactement. Ils sont gentils, oui. Mais ils savent quand le voyageur est honnête et quand il est contrebandier. Comme on dit dans notre jargon, tout à fait. C'est qu'ils ont le flair. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Dès qu'il y a une personne... qui a quand même un petit point d'interrogation, voilà. C'est qu'ils ont le flair, oui. ils trouvent, hein. Tout à fait. Ils trouvent, oui. Et c'est-à-dire, il y a ça, et ce que je tiens à préciser aussi, que l'administration douanière a des prérogatives très très vastes. Donc il faut faire très attention, il faut être rigolo. Si vous avez un excédent de marchandises, dites-le. Carrément, voilà, soyez tout franc. Simplement, voilà. Dites-le, voilà. Pour de la famille, pour tout ça, à fait. Donc. Alors, il y a aussi les infractions et les délits les plus fréquents, c'est les infractions et les délits de change. Ça, c'est voilà. Très fréquent. C'est régi par la loi, donc vous avez tant, vous dites au douanier, tant. Quand il lui dit, vous avez quelque chose à déclarer, qu'est-ce que vous avez? J'ai tant, vous avez tant. Alors moi j'ai vu quand je voyage, des personnes lui disent, vous avez combien? Il dit, ah non, juste 1000 euros. Ben oui. Une fois, ça s'est passé à l'aéroport international d'Alger. Quand ils l'ont fouillé, ils lui ont trouvé, je pense, 25 000 euros, je ne sais pas. Ensuite, ils commençaient à supplier, c'est honteux quand même. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors là, vous allez vraiment rigoler chez vous, chers amis téléspectateurs. Une fois, je devais voyager. Et là, il y avait le douanier qui m'a dit, le pafiste d'ailleurs, il m'a demandé, alors vous avez combien de sur vous? Je lui ai dit, oula, j'ai que l'argent du change. Comme si vous avez été arrêté. Non, et finalement, c'était vrai, parce que j'avais que l'argent du change. Fait, donc, voilà. Et là, ils ont vraiment rigolé. D'ailleurs, voilà. Ma sœur, elle n'arrêtait pas. Elle m'a dit, oh, tu as eu peur. Je lui ai dit, ah oui, moi j'ai peur. Exactement. donc, surtout en matière de change, il faut faire très attention. Donc, on l'avait précisé la dernière fois. Donc, il ne faut pas faire sortir avec vous plus de 7500 euros avec déclaration de la banque. Très bien. 5000 euros alors, sans déclaration. Pour les personnes qui résident en Algérie. Tout à fait. D'accord. Et pour les personnes qui doivent rentrer justement de l'étranger. Tout à fait. Alors pour les personnes non résidentes en Algérie qui rentrent vers l'Algérie, elles peuvent ramener ce qu'elles veulent, mais elles sont dans l'obligation de déclarer tout ce qu'elles ont à l'entrée et à leur sortie. Oui. Voilà. Donc là... Alors, il y a des gens qui mentent, qui inventent n'importe quoi. Alors, faites attention. Moi, ce que je leur conseille, sincèrement, faites attention parce que les peines, les sanctions, les poursuites, ce n'est pas anodin. Justement, voilà. Puisque vous parlez des sanctions et tout, alors quelles sont les procédures à suivre en cas où on trouve en flagrant délit des personnes qui commettent ce délit? Donc tout de suite, il y a les douaniers, une fois que l'infraction est constatée, il y a un PV qui est établi. Donc si c'est pour une contravention, donc il y a la marchandise, elle est confisquée, il y a un dépôt, ils leur remettent un reçu de dépôt. Donc s'ils viennent régler, c'est bon, s'ils dépassent 3 mois, la marchandise revient à l'État, au trésor public. Elle devient, c'est-à-dire un acquis du trésor public. Donc si c'est un délit, donc l'infraction est plus grave. Donc il y a un PV, donc la personne est arrêtée, il est présenté au procureur de la République, surtout en matière de change et tout ça. Et quand la personne en flagrant délit est arrêtée le jour J,
Oui. Alors, il peut rester en détention combien de temps? Il ne dépasse pas 48 heures, sauf si l'affaire est vraiment... Il y a une demande, c'est-à-dire le procureur exige plutôt, donne un ordre d'une extension de la prolongation de la garde à vue. Mm-hmm. Donc si le problème est plus grave, hein, vraiment il y a un réseau, c'est important et tout, donc il peut, mais sinon un simple voyageur qui commet un délit, il est présenté, il est placé en garde à vue, le lendemain il est présenté en comparution immédiate. Voilà. Et quelles sont les sanctions? Les différentes sanctions pour les infractions, j'ai dit, ça va, c'est la confiscation de la marchandise, mm-hmm. et l'amende varie entre 5 000 et 10 000 dinars. Pour les délits, mm-hmm. en plus de la confiscation de la marchandise et de l'amende qui peut aller jusqu'à 4 fois le montant de la marchandise, il y a les peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à plus de 60 et quelques mois de prison ferme. Ouh là là. Ah oui. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça commence à partir de 3 mois, mm-hmm. et ça monte selon la gravité du délit. Très bien. D'accord. Alors, on rappelle... Juste un tout petit rappel avant de vous laisser partir justement, oui. sur le montant d'euros que les personnes qui rentrent en Algérie peuvent ramener avec eux, et aussi celles qui sortent d'Algérie qui peuvent faire sortir jusqu'à combien, le montant. Très bien. Donc pour les résidents. Parce qu'il faut toujours rappeler aux téléspectateurs qu'il y a une certaine limite à ne pas dépasser. Tout à fait. Sinon, ça va être une infraction Exactement. De change, carrément. Exactement. Donc, pour les résidents algériens qui sortent, ils peuvent sortir jusqu'à... Le plafond, c'est 7 500 euros, mm-hmm. avec déclaration de la banque. Mm-hmm. Sans déclaration de la banque, ils peuvent avoir jusqu'à 5 000 euros, comme on l'avait vu avec la loi de finances de 2020 et tout. Pour les non-résidents, mm-hmm. ils peuvent ramener ce qu'ils veulent, mais ils sont dans l'obligation de déclarer ce qu'ils ont à l'entrée et à la sortie. Très bien. Et quelle est la sanction? Juste une toute dernière question. Oui. Alors, quelle est la sanction des personnes qui ramènent des habits, des trucs de contrefaçon? Ah oui, là, la marchandise, elle est confisquée et ils passent devant un tribunal, carrément. Carrément. Ouais, c'est un délit, carrément. Hein. Surtout la contrefaçon, parce que l'Algérie, déjà, elle a signé des conventions internationales pour lutter contre la contrefaçon. Même des marques algériennes, hein, pas seulement des marques étrangères. Bien sûr. Voilà. Très bien, merci beaucoup, merci Maître Sabar Jamila. Ce fut un plaisir d'avoir avec vous ce bras, on va dire, de Cosette. Tout à fait, ça a été un plaisir. Partager. Merci. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. À bientôt. Très bien, à bientôt. Alors, sans plus tarder, eh bien, sujet signé Selim Skand, signé Khadra Shikr, notre journaliste de l'information, qu'on salue d'ailleurs. Lecture Selim Skandar, un sujet sur la sensibilisation contre le coronavirus. Et juste après, on va recevoir le professeur Mohamed Amin Ben Hamed, chef de service de réanimation au CHU d'Oran. On va parler de cette hausse du coronavirus. Et on se retrouve juste après. Des cas revus à la hausse, le corps médical de la Wilaya d'Oran appréhende une nouvelle vague de la pandémie Covid-19. Nous sommes dans la Wilaya de la Covid-19. Nous avons créé un temps où la situation était stable, où il y avait des malades. Nous avons ouvert cette semaine, nous avons ouvert parce que les cas ont été saturés. Les cas de la Wilaya ne sont pas beaucoup de grandes mesures de la Wilaya. Avec des décès, même le Ken Wafayet. La deuxième vague qui fait qu'on a vers la sortie, mais malheureusement, il y a une mort serrée, le chab, Donc, on dit que les premiers signes de la troisième vague. Un cas alarmant qui a poussé les hôpitaux à remobiliser toutes les équipes pour faire face aux afflux massifs des malades, notamment les cas les plus urgents. مستشفى الطيبو تعمر على هذا الاساس حنا في المستشفى الجامعي باوران جندنا كل البدلات البيضاء باش نواجهوا هذا الارتفاع نتاع الاستشفاء عدد الاستشفاء ورايحين ان شاء الله في الايام القادمه مجدين لاقسام اخرى عندنا ربع اقسام اللي رايحين نحلوها اذا
التحلي بالوقايه توصيات الوقايه من فيروس كورونا، هذه من جهه. من جهه ثانيه لابد باش المواطن يخمم في التلقيح، لان اللقاح يلعب دور كبير في القضاء على هذا الفيروس. اللقاح علاش؟ لان اللقاح رايح الانسان يلقح نفسه، رايح يحمي نفسه من حالات الخطيره. L'inconscience et la non-prise au sérieux de cette pandémie restent des facteurs qui entravent le travail des médecins. Eh bien, de retour sur notre plateau et en compagnie du professeur Mohamed Amin Ben Ahmed, chef de service de réanimation au CHU d'Oran Plateau. Bonjour. Bonjour Imen et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, on a vu quand même une augmentation considérable du nombre du cas de Covid. Pourquoi cette recrudescence? Alors, c'était pratiquement prévisible et clair. La situation. Vous avez soupçonné ça juste avant? Tout à fait, tout à fait. Mm-hmm. Il y a eu des alertes par les médecins, par les scientifiques sur le risque d'avoir une troisième vague de corona, parce que notre situation épidémiologique dans notre pays, elle n'est pas rassurante du tout, mm-hmm. et suscite beaucoup d'inquiétudes, mm-hmm. et ceci au vu de la hausse d'augmentation des cas de contamination et même de décès chaque jour. Et on trouve ça surtout dans certaines wilayas. Le nombre de décès, ça varie de A? Alors, ce qui est mentionné réellement, entre 7 à 10 décès par jour. C'est beaucoup. C'est beaucoup, tout à fait, à l'échelle nationale. D'ailleurs, maintenant, on entend même des décès du Covid, des personnes, on a des amis, on a des gens de la famille, on a des personnes de notre entourage, des voisins, donc... Alors, parfois... Chose qu'on n'entendait pas. Parfois, le nombre est comptabilisé en fonction des tests PCR. Mm-hmm. Et chez les malades qui sont hospitalisés, et surtout chez les malades qui sont en détresse et hospitalisés au service de réanimation. Ce sont des malades qui sont comptabilisés. Parfois, certains malades se traitent à domicile, ce qu'on appelle l'automédication. Ils se traitent à domicile, ils se compliquent et ils meurent chez eux. On n'a même pas le temps de leur faire une PCR et les malades décèdent chez eux. Donc oui. C'est pour ça qu'ils ne sont pas comptabilisés. Les malades qui sont comptabilisés, c'est les malades qui ont une PCR positive et qui sont hospitalisés au service de réanimation. De réanimation. Et cette augmentation des cas de contamination et des décès, c'est surtout dans les wilayas à forte densité de population. Mm-hmm. Et c'était prévisible et clair dû au relâchement des citoyens. Des mesures barrières. Des mesures barrières. Il y a eu une seule cause possible, c'est le relâchement des citoyens. On dirait, j'avais l'impression que cette pandémie... On n'avait plus... Effectivement. J'avais l'impression, là où j'ai été dans d'autres wilayas, j'avais l'impression que cette pandémie a disparu. Je n'ai pas trouvé des gens qui portaient la bavette. Effectivement. Il n'y avait pas de distanciation. Ouais. Il y avait les fêtes de mariage. Oui, il y avait des enterrements. Là, ça nous a vraiment scotché parce que, franchement, moi, ça m'a vraiment, vraiment mise hors de moi parce que on les voit tous dans les maisons. Tout à fait. Alors, plein de monde à l'intérieur. Tout à fait. Le corona est encore là. Hein. Bien sûr, le corona est toujours présent. Et il n'est pas parti, il est toujours présent. Il ne respecte même pas la distanciation, d'ailleurs. Tout à fait, il n'y avait rien du tout. J'avais l'impression, quand je marchais dans les rues, les restaurants étaient pratiquement pleins, les cafés pleins. Il y avait des manifestations festives à chaque fois. Et là avec la saison estivale... Ça n'arrange pas les choses. Tout à fait. Il y aura encore un risque de contamination. Effectivement. Les plages... D'ailleurs, on a vu, les plages, elles sont bondées pour le moment. Fait. Les D'ailleurs, bus Oran, sont bondés, les taxis, les bus. Faut-il retourner au confinement, peut-être? C'est une bonne question. Ben oui, faut-il retourner au confinement pour quand même faire diminuer ces cas de contamination et probablement limiter cette troisième vague qui est pratiquement, moi je dirais qu'on est à la troisième vague. On n'est aux portes de la troisième vague. Et qui risque d'être très grave. Ah ben oui, ça risque d'être très grave parce que cette situation épidémiologique est inquiétante quand même. Surtout avec les variations du nouveau Covid. Ah ben oui, de toute façon, tous les virus sont entrés en Algérie. Hein. Que ce soit le virus simple, le virus indien, britannique, tous les virus sont entrés en Algérie. Et chacun a une symptomatologie différente. Justement, j'allais arriver à la symptomatologie de la nouvelle variation.
avant d'ailleurs du Covid. Alors, la symptomatologie, ce n'est pas comme la symptomatologie initiale, là où il y avait des signes cliniques vraiment apparents. Une asthénie, fièvre, douleur. Là, c'est vraiment difficile à détecter. Mm-hmm. Honnêtement, c'est difficile à détecter et ça se manifeste directement par des complications respiratoires parce que ça touche directement le poumon et ça ne se manifeste pas des complications. Sans passer par la fièvre, l'asthénie. Sans passer par la phase initiale de fièvre, asthénie, douleur et tout, des céphalées et tout, ça touche directement les poumons et ça donne une détresse respiratoire. Et les malades qu'on voit viennent directement dans un état de détresse et qui nécessite parfois une oxygénothérapie à fort débit pour ne pas dire une intubation, une ventilation et pratiquement des complications respiratoires très très importantes et très très avancées. Alors professeur, avec cette nouvelle variation, est-ce que vous avez gardé le même protocole? Écoutez, ou alors il y a eu un changement? Écoutez, le protocole est pratiquement le même. Le protocole est pratiquement le même. Nous avons gardé le même protocole. Mm-hmm. Par contre, la population n'a pas gardé les mesures préventives de distanciation, de port de bavette. Mm-hmm. Et là, malheureusement, c'est vraiment dommage parce qu'on était pratiquement, on allait éradiquer pratiquement totalement cette pandémie, mais il y a eu cette augmentation du nombre de cas. Mm-hmm. Et le problème aussi, c'est l'engouement de la vaccination est très faible. Justement, j'allais arriver à cette étape-là sur la vaccination. Justement, la population, il y a certaines personnes qui refusent d'être vaccinées, vu premièrement, on va dire, la mauvaise information, peut-être. Oui, oui. La mauvaise publicité aussi sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos qu'on regarde et qu'on visionne sur les réseaux sociaux qui nous viennent de l'extérieur, des États-Unis, de la France, et d'eux, parce que chacun, on va dire, danse sa danse, mène sa danse aussi. Donc, que faut-il faire dans ce cas-là? Alors, moi, personnellement, je ne comprends pas cette réticence des citoyens. Je ne comprends pas cette réticence des citoyens parce que probablement, ils sont très très mal informés. Pas probablement, voilà. Ça c'est certain. Ils sont très très mal informés. Il y a eu cette peur des citoyens, cette réticence qui a fait quand même une augmentation. Il n'y a pas cette immunité collective due à la vaccination. Et je peux vous dire à peu près, je vais vous donner un chiffre sur la vaccination qui a débuté à Oran. À peu près le mois de fin janvier, début février, il y a eu jusqu'à présent 3% de la population qui a été vaccinée. Pourtant, la campagne de la... Par rapport à Oran. Oh là là, c'est pas beaucoup. Ah ben oui, je parle de la ville d'Oran, de la wilaya d'Oran plutôt. Mm-hmm. Il y a eu à peu près 3% des citoyens qui sont vaccinés. C'est-à-dire que l'engouement pour la vaccination est très faible. Et ceci, on ne peut pas avoir une immunité collective si les gens ne sont pas vaccinés. Mm-hmm. Et là, ça commence à décoller pour les cas de contamination. Et je vais dire que c'est la seule arme thérapeutique, la vaccination. La seule arme thérapeutique. Moi, je dis à la population... En se vaccinant, est-ce qu'on peut éviter la contamination du Covid? Probablement, même si on aura... Même si on aura, mais c'est pas aussi même grave si on aura que... cette contamination, vraiment, ça va être très 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 mineur. Maintenant, si on se vaccine, le risque de contamination est très faible. Mm-hmm. La preuve, les malades qu'on reçoit quotidiennement, ce sont des malades qui ne sont pas vaccinés du tout. Donc c'est pour cette raison, on reçoit tous les jours des malades. Ça laisse à réfléchir. Ah ben oui, je vais vous dire que les services de réanimation sont saturés. Et si la population, moi je pousse, vraiment je vais dire à la population, aux citoyens, aux citoyennes, de se faire vacciner parce que c'est la seule arme thérapeutique pour éviter cette contamination, pour éviter cette hausse de contamination. Et j'aimerais bien que cette vaccination devienne obligatoire. Ben oui. Ça serait quand même important. Ça réglerait au moins un petit problème. Eh ben oui, je pense que dans certains pays européens, cette vaccination est devenue obligatoire. Et je dis à la population, il ne faut pas avoir peur. Il faut se faire vacciner. Je leur dis que c'est pratiquement indispensable et obligatoire afin d'éviter toutes ces complications et éviter en même temps les décès. Oui. Il y a eu pas mal de décès, mais bon,
Moi, je n'arrive pas à comprendre cette réticence, mais je pense que maintenant, beaucoup de gens me demandent, j'aimerais bien me faire vacciner. Oui. Alors maintenant, je pense qu'il y a eu cette sensibilisation, il y a eu cet état de conscience de cette population, de nos citoyens qui veulent se faire vacciner par rapport au début. Oui. Par rapport au début de la campagne de vaccination. Oui. Et cette campagne de vaccination, elle continue à Oran. Il y a des vaccins à Oran. Je demande aux gens d'aller se faire vacciner. Professeur Ben Hamad, justement, on va susciter un autre problème. Oui. Alors, il y a des personnes qui se sont inscrites sur le site de la DSP oui. pour se faire vacciner. Oui. Mais ils n'ont reçu jusqu'à maintenant, ils n'ont reçu aucun appel, aucune convocation. Justement, alors, ce sont des personnes qui se sont inscrites depuis le mois de mars. Oui. Donc, qu'en est-il pour ces personnes? Alors, D'après mes connaissances, il y a eu quand même un petit retard d'acheminement pour les doses de vaccins. Mais actuellement, les vaccins ils sont acheminés par l'eau. Et dernièrement, je pense que j'avais lu quelque part que l'Algérie a reçu à peu près 2 millions ou 3 millions de vaccins qui vont être distribués dans les villes, ensuite dans les DSP. Mais moi, beaucoup de personnes qui se sont inscrites pour la vaccination ont été vaccinées le plus normalement du monde. Et je vais dire aux gens qui attendent leur rendez-vous de vaccination et qu'ils soient patients. Parce qu'ils vont être appelés et recevoir leur dose de vaccin. Très bien. Alors, et quels sont les vaccins qui sont disponibles actuellement en Algérie? Eh bien, écoutez, les vaccins qui sont disponibles, il y a le Sputnik qui a été disponible à un certain moment, je pense qu'il est toujours présent, l'AstraZeneca, le Sinopharm, le chinois, et pour vous dire, pour rassurer la population. Justement, alors quelle est la différence? Tous les vaccins se valent. Alors j'allais arriver à ça parce qu'il y a des personnes quand même qui se disent « Non, moi je ne mets pas le Sputnik, moi je ne mets pas le AstraZeneca. » Alors ça, c'est aussi « Je ne comprends pas. » C'est la mauvaise Tous les vaccins, alors je rassure la population, tous les vaccins se valent. Tous les vaccins Ils sont ont le même effet. Tous les vaccins ont le même effet afin d'éradiquer cette pandémie. Et je vais vous dire que les effets secondaires de la vaccination sont mineurs. Les effets secondaires sont mineurs, 24 heures au maximum, on a quelques effets secondaires et ça disparaît. Il n'y a aucun problème de se faire vacciner avec tel ou tel vaccin parce que c'est la même chose. C'est le même effet de toutes les façons. Votre dernier conseil pour les personnes qui sont en train de nous regarder? Alors, je lance un message déjà à la population. Ah oui. Un, de respecter les mesures barrières. C'est revenir... Aux mesures barrières. Qui sont le port de bavette, la distanciation physique, éviter les rassemblements, ça c'est très important, ouais. C'est là où il y a la contamination. Mm-hmm. Éviter aussi les visites aux hôpitaux, parce que l'hôpital est devenu un lieu de contamination. Ça. Effectivement, éviter les accolades. Voilà, éviter les visites aux hôpitaux, parce que ça devient ce qu'on appelle une source de contamination. Deuxième mesure que je lance à la population, c'est la vaccination, pas autre chose. Se faire vacciner le plus rapidement possible. La campagne de vaccination, elle continue à Oran. Il faut se faire vacciner, il faut s'inscrire et faire le vaccin, surtout chez les malades tarés, surtout chez les personnes âgées. Ils sont prioritaires. Mm-hmm. Maintenant je relance aussi cette mesure préventive. Je dis à la population, s'il vous plaît, essayez d'avoir ces mesures préventives. Ils sont simples. Lavez les mains, port de masque, distanciation. Exactement, c'est ce qu'on faisait d'ailleurs avant. Tout à fait. C'est ce qu'on faisait. Alors juste une toute dernière question. Certainement, le téléspectateur est en train de se poser cette question, tout comme moi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un danger en se faisant vacciner? Pas du tout. Question simple, réponse simple. Pas du tout. Voilà. Aucun danger. Très bien. Alors, il faut se faire vacciner, il n'y a aucun danger. Même les effets secondaires sont vraiment, vraiment mineurs
s'il y en a. De toutes les façons, même les effets secondaires en se faisant vacciner sur par n'importe quel vaccin, c'est qu'il y a des effets secondaires. Tout à fait. C'est tout à fait normal. C'est une réaction normale d'un corps humain comme tous les vaccins, même pour les enfants qui se font vacciner, les gens qui partent en Afrique qui se font vacciner, ou là ils partent à la Omra ou le Hajj pour se faire vacciner. Donc c'est la même chose. Tout vaccin a un effet secondaire, mais qui est mineur. Mais ils sont honnêtement, toute la vaccination, tous les vaccins sont efficaces. Très bien. Et ils sont pratiquement tolérables, hein. Il n'y a aucun problème. Très bien. Alors je demande à cette population de se faire vacciner rapide. Il n'y a pas de risque, donc ça va. Il n'y a pas de risque, aucun problème. J'espère que vous aussi, chers amis téléspectateurs, je vous le confirme. Vous êtes vraiment rassurés, donc tout comme moi d'ailleurs. Merci beaucoup, professeur Benhamed, c'était un plaisir. C'est moi. Merci. Alors, sans plus tarder, une petite pause musicale avant le troisième plateau et on se retrouve juste après, chers amis téléspectateurs. Restez avec nous parce que nous, on va vous accompagner jusqu'à 10h. Ahkem ya Rabbi, une très belle reprise à une chanson de feu Ahmed Wahbi, Rabbi Yarhmou. Et bien, tout de suite, on passe à notre invité, et pas des moindres, puisqu'on reçoit avec nous Monsieur Aziz Mouet, bien sûr un grand monsieur de la culture qui, lui, il a côtoyé de très très près, alors feu Miloud Halbouche, qui était expert en gestion des ressources humaines. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et vous êtes aussi professeur à l'université de Mostaganem. Merci à vous, bonjour à tout le monde et surtout à votre aéropage de téléspectateurs que je salue depuis Oran. Merci. Et vous voulez que je vous parle de Monsieur Halbouche, Rabbi Yarhmou, défunt ami, Monsieur Miloud Halbouche, Allah Yarhmou Yussalé. D'ailleurs, vous l'avez côtoyé de très près. Je ne sais pas si on s'est côtoyé. En fait, on formait un couple. Lui et moi, nous avions formé un couple. C'est très rare à ce niveau-là, au niveau de la recherche scientifique. Généralement, les professeurs, ils se repoussent un peu. Chacun veut faire sa propre carrière. Et c'est normal. Chacun veut tracer son chemin.
Mais avec Miloud, le courant est très vite passé, parce que c'est un personnage, j'en parle au présent, parce que pour moi, il est quelque part. Ben oui, bien sûr, il est vivant à travers ses travaux, absolument. Ce qu'il a fait. Et à travers tout ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Vous disiez qu'il était responsable, spécialiste de la gestion des ressources humaines. Il a travaillé très longtemps comme expert formateur à l'IDRH, l'Institut de développement des ressources humaines, qui est une école, la première école privée de formation supérieure en Algérie, qui a été créée par Mohamed Behloul à Oran. Donc c'est aussi une spécificité oranaise. Et Miloud Halbouch a côtoyé les meilleurs experts du monde, puisque l'IDRH recrutait pratiquement ce qui se faisait de mieux au niveau des ressources humaines. D'ailleurs, c'est l'IDRH qui a fait le programme du NEPAD, le fameux programme du NEPAD. La conception du programme, c'est à l'IDRH. Et Miloud Halbouch a participé à cette conception, à cette mise en forme du fameux NEPAD, le nouveau programme de développement de l'Afrique. Miloud Halbouch est aussi, au départ, quand il est rentré à l'ITA, il a suivi une formation d'économiste. C'était son dada. Il adore les statistiques, il adore l'économie, il adore les mathématiques. Et donc, c'était son dada. Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait dans nos travaux, on était des ingénieurs d'application. Et on donnait des cours. C'était pas facile. Et donc, on avait demandé à être formés. Et on nous avait proposé d'aller se faire former à l'étranger. À cette époque-là, nous sommes en 1983-84, les économistes ne pouvaient pas accéder aux bourses. Le gouvernement algérien qui donnait de très bonnes bourses. C'était des sommes colossales par rapport aux autres étrangers qui étaient en Europe. On était les mieux cotés. Franchement, on avait une dotation de bourse. De toute façon, l'État misait toujours Il faut le dire parce que c'est trop facile après. Bon, moi, je le dis parce que je l'ai moi-même subi. On avait droit à une bourse qui était beaucoup plus supérieure à ce que touchaient les boursiers français. C'est clair. Et donc, lui ne pouvait pas accéder à cette formation parce que le gouvernement avait dit « Je ne peux pas financer la formation d'économistes. » Alors, il a changé de filière. Il s'est présenté comme zootechnicien. Et à ce moment-là, il est parti pour faire une bourse en nutrition animale à l'Institut Polytechnique de Lorraine, c'est-à-dire à Nancy. C'est aussi une très grande école française. Et il est revenu avec un diplôme qu'il a dû finir. Il a fini sa soutenance parce que la bourse était très limitée. Il a fini sa soutenance en Algérie. Donc il est rentré sans avoir soutenu, contrairement à moi. Moi, j'ai refusé de rentrer. Donc je suis resté 7 mois à mes frais. Mais lui, il a pris ses bagages, il a pris sa thèse, il n'avait pas fini. Et il est rentré en Algérie. Et dès que vous revenez en Algérie, on vous donne des cours. Les collègues étaient très chargés, donc il a pris des cours. Et comme à son habitude, il en prend beaucoup. C'est-à-dire qu'il prenait des cours en économie, parce qu'il était économiste. Il prenait des cours en production animale, puisqu'il était devenu zootechnicien. Et il donnait des cours en gestion des ressources humaines, parce qu'il travaillait en parallèle à l'IDRH. Donc c'est un peu ce personnage, déjà au départ, qui est multifonctionnel. Il travaille sur tous les sujets et il maîtrise tous les sujets. Il était devenu pratiquement, en matière de traitement statistique, une référence. À tel point qu'en 1997, on a été sélectionné par la Banque mondiale pour faire partie d'un quota de formateurs. Et on a reçu une formation à Casablanca, au Maroc, en 2 stages, où on a été formé pour la gestion des projets, des grands projets de développement. Et Miloud Halbouch, Rabbi Rahmon, il était comment sur le côté amical, sur le côté personnel? Personne ne peut dire du mal de Miloud Halbouch, personne. C'est un personnage très agréable. C'est un personnage qui me dit « Rahim », c'est-à-dire qu'il était conciliant avec tout le monde. D'ailleurs, lorsque moi j'avais pris la direction de l'État de Moustaganem, il était déjà en poste avant moi, donc il avait une fonction de secrétaire général. Et moi je lui ai dit « Ton poste, c'est pas ça, il faut que tu viennes animer la recherche ». Donc je l'ai désigné, j'avais ce pouvoir de le désigner comme président du conseil scientifique. Et c'est avec lui qu'on a travaillé la refonte de tous les programmes, à tel point que lorsque le programme LMD était arrivé, on avait réuni des équipes. Lui avait réuni des équipes. Moi, j'étais contre le système du LMD, donc j'avais déclaré, mais comme je devais travailler et qu'on avait des étudiants à accueillir, on a bien. Mais lui avait réussi à faire autour de lui des équipes. Et non seulement il a ouvert une filière de formation dans les sciences agronomiques, et notamment en génétique, on est arrivé pratiquement à enseigner de la génétique la plus moderne et la plus actuelle. Mais il a aussi été chargé
d'une formation qui est très originale. La formation de l'ouverture de l'école infirmière. Il a ouvert un parcours de LMD, licence, master, doctorat pour les infirmières, qu'il recrutait avec un bac de 14 à 15. Eh ben. Oui, à l'université de Moussa Ghanem. C'est lui qui a fait le programme, c'est lui qui a ramené les enseignants qui étaient tous des médecins et des professeurs. Oui. Je salue au passage le professeur Megni qui a participé, le docteur Hajij. Et donc, on a ouvert la première école, la première, c'était la seconde, le second parcours, parce qu'il y en avait un à Béjaïa. Grâce à lui. Et il en a fait son affaire, son bébé à lui. Je sais que son parcours, il est vraiment très chargé. De toutes les façons, on aura toujours ces hommes, ces grands hommes de culture oui. dans nos mémoires. On va dire que ce soit par leurs travaux, que ce soit par leur formation, que ce soit à travers leurs étudiants, à travers leur encadrement. D'ailleurs, ils ont laissé une très grande empreinte dans la culture algérienne. Merci beaucoup, monsieur Mouet. Ce fut un plaisir que de partager avec vous ce moment de mémoire, on va dire, sur le grand Miloud Halbouche. Merci beaucoup. Merci. Et bien sans plus tarder, on va y aller pour voir ces témoignages recueillis par mon collègue Ilyes Benziyen et on se retrouve juste après. Parler de Meliani, c'est très 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 difficile. Difficile parce que l'homme et multidimensionnel. D'abord, c'est un amoureux fou de sa ville. Et il a prouvé maintes fois, il a prouvé par ses écrits. Nous sommes nés dans le même immeuble, à Sidi El-Houari. Nous avons grandi ensemble. Nous avons pris des tas de photos enfants ensemble. Nous avons vécu la période coloniale ensemble. Et nous nous sommes rencontrés bien plus tard, non seulement sur la base de notre lieu de naissance, mais aussi dans le champ intellectuel. J'ai eu l'occasion de le connaître en tant qu'enseignant-chercheur à l'université d'Oran, au CRASC. Et bien sûr, une amitié aussi s'est établie tout au long de ce parcours, parce que ça fait une quarantaine d'années que nous nous croisons dans le monde de la culture, de l'art, du cinéma, de la recherche scientifique. Je dirais que Meliani est un penseur de l'émancipation. Donc le geste créateur qui féconde un peu l'esprit critique, c'était Meliani. Meliani était quelqu'un qui venait, qui assistait à beaucoup d'activités culturelles et qui favorisait l'esprit critique. C'était pour moi l'un de mes professeurs que je rencontrais dans les séminaires et nos colloques à l'université des langues étrangères. Mais c'était aussi en fait un soutien et une sorte d'encadreur culturel qui assistait à chacune de mes conférences et à mes rencontres. Et pour moi, Hajj Meliani, c'était vraiment une légende vivante dans la culture et la littérature. Tout le monde sait qu'il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mérite à faire connaître la chanson oranaise et notamment la chanson Rai. Il a été, disons, parmi les premiers à écrire dessus. Il s'est aussi intéressé, là, peu de gens le savent, au patrimoine théâtral algérien. Quand on parle de Meliani, on parle aussi de la musique. Et quand il parlait de musique, il avait une citation fort éclairante de Nietzsche qui disait qu'on ne peut pas vivre sans musique. Donc l'élan créateur de Meliani, c'était la culture, la promotion de la culture, la promotion de l'esprit critique et de l'émancipation sociale. Hajj Meliani est un grand lecteur. C'est quelqu'un qui ne refuse jamais de lire un manuscrit. Mais attention, quand vous lui donnez un manuscrit à lire, attendez-vous à ces critiques qui ne sont pas toujours bonnes, qui ne sont pas, d'ailleurs souvent elles ne sont pas bonnes. Mais c'est pour pousser un peu l'écrivain, celui, l'auteur, à aller plus loin que ses propres efforts et donc à explorer des champs peut-être inconnus par lui-même. J'avais invité un jeune auteur, Moussa Ghanemoua, et lui, il était dans les parages. En fait, il était toujours dans les parages. Et en fait, dans mes rencontres, c'était le seul qui avait ce don de monopoliser la parole. Et tout le monde était bouche bée face à son discours cash. Je vous raconte une petite anecdote.
On est parti il y a quelques années, Rabbi Rahmou toujours, bien sûr, à Tismsilt. Et c'était un festival populaire très local dans un petit village de la wilaya Tismsilt, Ouled Bessem. Et il n'arrêtait pas de prendre des notes avec tous les chiours de la région. Je lui dirais que tu es parti trop vite et que j'espère que le bon Dieu me donnera beaucoup de courage afin de vivre en fait sans notre Meliani dans le cadre culturel. Et on a vraiment, disons, Coran a vraiment perdu un trésor culturel. Parce que malheureusement, chez nous, on découvre les grands une fois qu'ils meurent. J'espère qu'on le découvrira encore plus, Inch'Allah. Et c'est presque un testament qu'il nous a légué, c'est celui donc d'organiser des événements artistiques et culturels et surtout de passer le flambeau aux jeunes. Et c'est son message à lui que je voudrais transmettre ici. Et bien voilà, c'était Hajj Meliani, Rabbi Yarhamo. Alors une sommité culturelle qu'on a perdue la semaine dernière. Et bien pour en parler, pour faire des témoignages, pour le connaître du côté personnel, professionnel, et bien nous avons avec nous Monsieur Robéi Chorfi Mohamed Amin. Il est professeur à l'université de Mostaganem. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Vous êtes accompagné d'un grand homme d'ailleurs qu'on a l'habitude de retrouver ici au Bonjour d'Algérie. C'est toujours un plaisir que de partager avec vous, avec lui, le plateau au Bonjour d'Algérie. Eh bien, il nous vient tout juste de Mostaganem, justement. Alors, c'est Monsieur Mansour Benchida. Il est docteur à l'université de Mostaganem. Bonjour. Merci. C'est toujours un plaisir, Monsieur Benchida. Je vous remercie à mon tour. Surtout qu'aujourd'hui, quand même, le plaisir est beaucoup plus parce qu'on va parler d'une sommité, il est d'un grand homme. Le plaisir aujourd'hui est solennel. C'est le Hajj Meliani, Rabbi Yarhamo. Allah yarhamo, Allah yarhamo. Alors, je ne sais pas moi, le Hajj Meliani, il a été notre mentor pendant des années et des années. Et aujourd'hui, on est venu, le professeur Robéi et moi-même, pour essayer de présenter ce qu'il a fait à Mostaganem, qui est immense. En cours de route, on s'est demandé qu'on ne pouvait pas le présenter. Tellement, c'était pas possible. Tellement il est immense, tellement il est gigantesque. On se demande comment il trouvait le temps pour faire tout ce qu'il faisait. Nous, aujourd'hui, en toute humilité, on va essayer de parler de ce qu'il nous a fait à Mostaganem. Et sa manière d'être vis-à-vis de nous, vis-à-vis du département. Je cède la parole à mon ami oui, professeur. Pour parler de Hajj Meliani, j'y ai beaucoup réfléchi. Que dire de Hajj? Surtout que, sachant que Hajj n'aime pas, n'a jamais aimé tout ce qui est hommage, tout ce qui est reconnaissance. Il n'a jamais Parce cherché. Parce qu'il était humble. C'était une personne. Il a toujours très été humble. Très humble et il a toujours été humain. Voilà. C'est un vrai humaniste. Dans le sens, si vous voulez, littéraire, philosophique du mot. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais aimé être mis en avant, mais il a toujours préféré mettre en avant les autres. Et ça, c'est ça, si vous voulez, qui lui a fait, non pas du mal, enfin, moi, j'ai senti ça, comme si lui, il se faisait du mal en mettant tout le temps les autres en avant, il ne s'était jamais mis lui-même en avant. Alors, il a été tout le temps au service des autres, des étudiants, des enseignants, pas seulement des étudiants et des enseignants, mais aussi des formations. Il a cherché à former les gens. Il a tout le temps été là, que ce soit en licence, en master, en doctorat, même après le doctorat, moi-même après ma soutenance de doctorat, bon, c'était mon encadreur de magistère, c'était mon encadreur de doctorat, mais même après le doctorat, il s'est occupé de moi. Il m'a montré les ficelles, il m'a intégré dans l'administration, c'est-à-dire, il n'a pas fait que son boulot. Il vous a prêté main forte afin de vous intégrer apparemment. Il m'a montré les astuces. Pourquoi ? Parce que la gestion administrative d'université, c'est gérer une réglementation, mais aussi gérer des personnes, gérer des... Enfin, il y a beaucoup de choses à gérer. Et il m'a montré beaucoup de choses. Il m'a beaucoup aidé dans ce sens. Et bien sûr, au dépens de lui-même. Il n'a jamais cherché à se mettre lui en avant. En avant. Tout le temps, il me poussait, quoi.
me disait, vas-y, fais comme ça, vas-y, fais comme ça, ne fais pas cette erreur, fais attention, etc. etc. Et bien sûr, pour toute personne qui connaît ou pas Hajj Mulyani, avec son caractère, avec son propre caractère, je ne sais pas si Monsieur pourra en témoigner aussi par rapport au caractère de Hajj qui est tout le temps... il s'emporte beaucoup, il est colérique, il engueule les autres, justement, mais toujours dans le bon sens. Hein. D'ailleurs, j'étais en train de parler hier avec mon collègue Salim Skandar, que je salue d'ailleurs. Donc, et lui, c'était son encadreur. Et là, il a commencé à me raconter plein de trucs qu'il lui faisait. Et là, je lui disais, comment se fait-il que tu ne réagissais pas? Parce que lui, il n'a pas la langue dans la poche, comme voilà. On dit. Hein. Donc, et là, il me dit, c'est que je le respectais tellement que je ne pouvais même pas lui dire un tout petit mot, parce que je ne pouvais pas. Non, moi je pense qu'il y a autre chose, c'est que il est entier. Voilà. C'est vrai qu'il est entier. Voilà. Seulement, quand on a affaire à lui, on sent tout de suite, que ce qu'il fait, c'est dans notre intérêt. Que ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt de la collectivité. Il Exactement. Ne fait pas ça par égoïsme, il ne fait pas ça par méchanceté. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui oublie très vite ses colères. Qui oublie très vite ses positions parfois. Comment on dit en arabe, galbobiad. Galbobiad. C'est pour ça que on ne peut pas se révolter contre ce monsieur, ce grand monsieur. Moi, ce que je voudrais dire, c'est le côté innovant qu'il a apporté à la recherche universitaire à Mostaghana Maoran et en Algérie. Hein. Il faudrait souligner que c'est un monsieur qui dominait un petit peu la scène algérienne dans le domaine qu'il occupait, dans le domaine de sa spécialité. Effectivement, c'est un des premiers qui a souligné, qui a écrit, qui a expliqué que la musique, dans son évolution, dans son existence, dans ses pratiques, est un reflet de la société algérienne. Effectivement. Parfois, elle annonce de manière prémonitoire ce qui va se passer ensuite. Oui. Et donc, il a tiré la musique de son ornière, de sa situation de activité superflue, activité ludique, pour en faire un composant de la société algérienne. Effectivement. Pour en faire un levier de la société algérienne. Donc, d'une part, il a mis la musique. Et pourquoi est-ce qu'il a mis la musique en relief? C'est parce qu'il était tellement vivant. Parce qu'il aimait tellement la vie. Et on a été choqués d'apprendre sa mort, sincèrement. Ah oui, ça a été un choc pour les personnes qui le connaissaient d'ailleurs. Non seulement il s'intéressait à la musique, et il a essayé à des niveaux jamais atteints, mais ensuite, il s'est intéressé à la société algérienne. Et j'ai travaillé avec lui, j'ai eu l'honneur, cet honneur de travailler avec lui, pour chercher dans la société mostaghanémoise. Quelles sont les constantes qui se retrouvent partout en Algérie et quelles sont les variables, c'est-à-dire les spécificités de la société mostaghanémoise. Et à ce titre-là, je lui tire mon chapeau. Hein. Il est irremplaçable. Ce qu'il faudrait savoir aussi par rapport à la formation de langue à Mostaghanem, c'est que c'est le premier à avoir introduit un paramètre nouveau dans l'enseignement des langues, c'est l'utilisation des nouvelles technologies. Imaginez que c'est quelque chose de complètement innovant que de réfléchir à une formation de langue. Alors, on a toujours en tête cette formation traditionnelle de la langue. Et d'un seul coup, on vous ramène et on vous dit, écoutez, on va vous enseigner la langue pour devenir des rédacteurs web. C'est quand même innovant. On ne s'attend pas de la part d'un enseignant classique, si vous voulez. Effectivement, de langue. De l'ancienne génération. Et Hajj Mulyani a insisté. Alors, c'est pour cela que... Il s'est adapté, justement, aux nouvelles ères. Parce qu'il aimait cela. Il aimait les nouvelles technologies et il a introduit ces nouvelles technologies dans l'enseignement des langues. Excuse-moi. Et c'est ce qui a permis que... ça fait partie aussi des pratiques d'enseignement de Hajj Mulyani. On est venu même ici chez vous, à Oran, avec nos étudiants, on les a emmenés à Alger aussi, pour vous dire que Hajj Mulyani n'a jamais été favorable à un enseignement classique et statique. Oui. Donc, il aimait à ce que les étudiants bougent, et beaucoup d'étudiants pour en témoigner, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup reçu de ce genre de formation. Très bien, donc juste un dernier mot. Il y a quelques années, il a institué un mini-festival de théâtre en français. Oui. Et tous les étudiants nous présentaient une petite scénette. Nous présentaient une petite scénette. Et les meilleurs se sont même produits à Alger.
au théâtre à Oran, au théâtre d'Oran. Et alors moi j'étais dans l'équipe avec Abdallah, tu te rappelles, et puis on était sidérés par les capacités que présentaient des étudiants qu'on croyait somme toute médiocres. Effectivement. Il est innovant du point de vue de la pédagogie, il est innovant du point de vue de la musique, il est innovant du point de vue de l'enseignement, et l'enseignement sert à former des hommes et des femmes bien sûr. Effectivement. Donc il est essentiel et indispensable à la progression de la société. Je voudrais qu'on saisisse cette dimension de l'Hajj Mulyani, Allah yarhamah. Surtout ça. Très bien. Donc, ce fut un plaisir, cet hommage au grand homme de culture qui est professeur Mulyani. Donc, on ne l'oubliera jamais de toutes les façons, de par, on va dire, son innovation, de par ses idées, de par son encadrement, de par ses recherches, justement, en anthropologie, ses recherches dans la musique, ses conclusions de la musique, justement, algérienne. Donc, c'est un grand homme qui restera quand même. Et son nom restera gravé dans la culture de l'Algérie, pas uniquement de l'Ouest, que ce soit à Mostaganem ou alors à Oran. Merci. Merci d'avoir. Merci de nous avoir donné l'occasion de merci présenter notre vous. Hommage. Merci pour vous, Mulyani. D'ailleurs, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait justement quand même la route de Mostaganem à Oran de bon matin. Merci. Merci à vous. Merci. Alors, sans plus tarder, bien avant de on va dire, d'aller au prochain plateau. Donc, je suis désolée. Donc, je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que le Bonjour d'Algérie est sponsorisé par les peintures chorales. Et on y va tout de suite, puisque Ilyes Benzien nous emmène à la 3e édition du Salon Invest Oran. On y va pour faire un petit tour et on se retrouve juste après avec nos invités. Le secteur de l'industrie représente le levier de développement pour l'économie d'un pays. À cet effet, l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur Sunflower Communication a organisé la 3e édition du Salon de l'industrie, de l'énergie, du BTP et de l'export d'Oran, Oran Invest Expo, qui s'est tenu du 1er au 4 juillet 2021 au niveau du centre de convention d'Oran Mohamed Ben Ahmed. La nouveauté de ce salon, c'est la participation en force des entreprises publiques. Elle représente plus de 50%, ce qui est une chose très très favorable et très positive. Donc les entreprises publiques ont compris l'importance de se faire valoir et d'entrer dans le marché de la concurrence. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de tout ce qui est pièces en béton, tuyaux, canalisations, pièces spéciales en béton précontraint, en béton vibro-compacté aussi. L'entreprise veille à développer sa gamme de produits pour justement atteindre et gagner plus de parts de marché sur le secteur de prédilection. Nous sommes une société spécialisée dans la fabrication des mortiers secs. Donc les mortiers secs, c'est ce que je l'avais dit, donc on fait tout ce qui est mortier. Donc on fait les mortiers destinés pour les revêtements de façade et les mortiers destinés pour les revêtements de sol. Donc à savoir les mortiers monocouches, qui sont destinés pour les revêtements de façade. Donc ils ont deux rôles principaux. Le premier rôle, c'est l'imperméabilisation de la façade. Le deuxième rôle, c'est l'esthétique, c'est un produit de parement pour avoir un aspect de finition, de décoration. Cette manifestation se veut une occasion pour les opérateurs économiques participants de se rassembler afin d'échanger sur les sujets clés de ces secteurs, ainsi que de découvrir les nouvelles tendances technologiques et innovatrices, et ce dans le but de développer davantage la question de l'exportation des produits et services algériens. On fait l'importation des équipements de charpente et de soudure. Ici, on a les équipements de soudure qui sont présents. On a les trois procédés de soudage, le MMA, le TIG et le MIG. Notre but par cette fois, c'est de retoucher les clients qui sont à l'arrêt par rapport au Covid. Le but de la participation dans ce salon-là, c'est pour démontrer que la jeunesse algérienne, elle peut faire quelque chose d'extraordinaire, des produits de qualité, et elle peut être présente au niveau de l'Ouest, aussi du Sud. Pour l'exportation aux pays voisins, nous sommes en train de faire une étude en moyen terme et c'est faisable pour nous. En marge des différentes expositions et cycles de conférences organisés, cette édition se veut une occasion pour débattre des questions les plus pointues de l'actualité économique en rapport avec les modalités de l'export.
Et bien voilà, de retour sur notre plateau et en compagnie de nos invités. Mais juste avant, je vous rappelle aussi que le Bonjour d'Alger est sponsorisé par les peintures chorales. Et sans plus tarder, on va parler de la troisième édition. On va revenir à la troisième édition du salon Invest Oran qui s'est passé du 1er au 4 juillet au centre des conventions d'Oran, Mohamed Ben Hamed. Et bien, on va en parler avec le commissaire du salon, Monsieur Hanish Ahmed. Bonjour. Bonjour madame et merci de votre invitation. Ça va ? Ça va, merci. Vous avez pris votre café et tout ? Oui, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Très bien, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné par Monsieur Abdelli Ahmed, superviseur commercial. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Très bien. Et bien sûr, avec professeur Lhouweri Mammal. Alors, vous êtes docteur et maître de conférence à l'université de Mohamed Boudiaf, Isto Oran. Merci, et je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous d'ailleurs. Alors, parlez-nous, monsieur Hanish, de cette troisième édition, de sa tenue, vu qu'on vient juste de sortir de la pandémie. Bon, pas sortir, on est en pleine pandémie d'ailleurs. Ben, le troisième salon Oran Invest Expo, c'est un salon dédié au secteur de l'industrie, le BTP, la logistique, l'énergie et l'export. Mm-hmm. C'est des secteurs complémentaires et c'est des plus névralgiques dans notre économie. Nous avons rassemblé ces secteurs. D'ailleurs, l'édition passée en 2020, c'était à l'IMEC Oran. Cette fois-ci, on l'a tenu au centre des conventions d'Oran. C'est un espace qui offre plus de commodités. Mm-hmm. Pour le salon, par rapport à la pandémie Covid-19, on voulait que ce salon soit un point de départ. C'est vrai que la situation, malheureusement, maintenant, le nombre de C'est renoué un petit peu avec les activités, aussi avec les opérateurs du secteur. Avec les opérateurs, parce que c'est un besoin. C'est un besoin, c'est les opérateurs économiques qui expriment cela. Un salon, c'est toujours une opportunité de marketing et de rencontres professionnelles. On l'a tenu dans... C'est vrai que la préparation était très difficile. C'était pas difficile pour convaincre les partenaires de venir et participer, mais par rapport aux mesures sanitaires, c'était très dur. Mais je dis Dieu merci, le salon s'est tenu dans de très bonnes conditions avec un protocole sanitaire bien strict. Alhamdoulilah, c'est-à-dire il n'y avait aucun souci côté Il y a eu combien de participants à cette troisième édition? Le nombre total d'exposants dépasse les 90. Ah quand même. Oui, donc 87. Entreprises privées et publiques spécialisées dans les différents domaines, c'est-à-dire liés au thème du salon. Les autres stands, on les a offerts à l'Université d'Oran et l'École nationale polytechnique d'Oran. Donc, c'était un espace non seulement de B2B, mais c'est un espace aussi dédié à notre jeunesse. C'était d'ailleurs, le salon s'était clôturé le 4 juillet, le lendemain, le 5 juillet, la fête de l'indépendance. C'était un espace de rencontre. Pour l'avenir, l'avenir, il y a les entreprises qui font les affaires, qui font des rencontres à B2B, parce qu'un salon représente une opportunité vraiment importante. Bien sûr, parce que c'est un carrefour quand même de professionnels, puisqu'on parle justement de ce carrefour de la troisième édition du salon Invest. Eh bien, on parle avec monsieur, vous représentez justement une entreprise algérienne, c'est dans quel domaine s'il vous plaît? C'est exact, on fait partie du domaine de l'industrie. Nous produisons des panneaux sandwich. Nous sommes à l'ouest algérien, exactement dans la wilaya de Ralizen. Nous produisons des panneaux sandwich, des panneaux en alucoban et de la tôle dite sèche. Bon, le problème de Covid influe directement sur le secteur économique. Bien sûr. Et heureusement, bon, on a des rencontres comme celle qu'a préparée M. Hanish, ce qui nous a permis de renouer un petit peu et de faire revivre vos activités. Et comme c'était un salon aussi dédié à l'exportation, on a profité de l'occasion pour rencontrer certains partenaires. Nous comptons, si Dieu le veut, entrer dans l'exportation à l'orée de l'année 2022 et faire notre possible. Inch'Allah, très bien. Eh bien, sans plus tarder, on vous propose, chers amis téléspectateurs, de suivre ce spot publicitaire et on se retrouve juste après. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure,
Choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'aimant. C'est l'aimant à faire. De retour sur notre plateau et toujours en compagnie de nos invités, puisque maintenant je m'adresse à Dr. Lhouweri Mammal. Alors vous avez dû animer une conférence lors de cette troisième édition du Salon Invest. Alors l'intitulé de votre conférence, c'est « Vers l'application des coupleurs dans la construction en Algérie ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu sur ce thème ? D'accord. Merci. Avant de commencer sur ce sujet, j'aimerais bien parler de la participation de l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, Mohamed Boudiaf. Donc, suite à l'invitation de notre ami et collègue M. Hanish, nous avons participé l'année passée à la troisième édition, cette année à la quatrième, plutôt l'année passée c'était la deuxième, cette année c'est la troisième. Espérons bien, Inch'Allah, la quatrième. Inch'Allah. Donc, l'université est là pour trois objectifs. Un, c'est-à-dire vulgariser, se rapprocher du monde des professionnels de l'économie. Donc on a pu faire profiter les étudiants, les faire apprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'économie. C'est-à-dire nos partenaires, futurs partenaires, les bureaux d'études, les entreprises, les industriels. Donc les étudiants ont pu faire des contacts, renouer un réseautage. C'est-à-dire avoir une perspective au futur pour pouvoir tracer leur propre, ce qu'on appelle le projet professionnel. Ça, c'est un de côté. De l'autre côté, on a été présent ici pour aussi avoir des contacts avec les entreprises parce que l'université a double casquette. C'est une institution d'enseignement et de recherche. Donc, faire de la recherche pour que cette recherche soit valorisée, soit vulgarisé, d'où un des projets qu'on a présenté dans la conférence, c'est les coupleurs. C'est quoi les coupleurs? C'est ce qu'on voit ici. Oui. C'est-à-dire, on connaît les barres fer à béton. Mm-hmm. Donc, vous savez, lorsqu'on construit des bâtiments, on a toujours des barres d'attente. Et ces barres d'attente sont, c'est-à-dire on assure un recouvrement. C'est-à-dire qu'il faut recouvrir avec d'autres barres pour finalement continuer la construction de d'autres étages. Mm-hmm. Malheureusement, dans nos constructions, on perd beaucoup d'acier. Mm-hmm. Et la perte d'acier, quelquefois, elle est estimée de 10% jusqu'à 20% mm-hmm. de perte d'acier. Comme vous savez, ce qui fait augmenter le prix de l'habitat, c'est le béton. Ce qui fait augmenter le prix du béton, c'est l'acier. Donc, on a pensé à améliorer cette technique, c'est-à-dire en faisant la liaison entre les barres les différentes parts par ce qu'on appelle les manches en cylindrique, les coupleurs. Bon, ces coupleurs sont, c'est-à-dire ça entre dans le cadre d'un sujet de recherche algéro-espagnol, qu'on appelle AGCIP, Algerian Spanish Innovation Program, mm-hmm. initié par notre direction de la recherche scientifique. Mm-hmm. Donc, nos partenaires, c'est la direction générale de la recherche scientifique et de développement technologique, l'École nationale polytechnique, on travaille en complémentarité entre l'USTO et l'UMP, et le CDTI espagnol et l'Université de Grenade, plus une entreprise algérienne, ATA, Algerian Technical Pride, c'est-à-dire qui travaille sur la confection de ces coupleurs. C'est un projet qui s'étale sur trois années, 2019 jusqu'à 2022. Actuellement, oui. On est dans un stade d'application. Donc, on a fait des recherches de différents essais sur ces coupleurs. On a pu obtenir des résultats satisfaisants. Donc, c'est-à-dire que c'est prometteux. On peut arriver à des résultats qui sont vraiment à impact technico-économique. On aimerait bien que les opérateurs économiques participent ou adoptent ce genre de couplet. Sauf qu'on a une entrave, c'est la réglementation. Très réglementation. Bien. Et on aimerait bien c'est-à-dire faire participer nos organismes garant de l'application de la réglementation technique mm-hmm. dans ce genre de projet. Très bien, Inch'Allah Yarbi. Eh bien, on a eu un petit aperçu sur la troisième édition du Salon Invest. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation. Certainement, on aura à voir une quatrième édition, pourquoi pas, l'année prochaine. Et on sera présent, la télévision algérienne sera présente. Inch'Allah, merci beaucoup à vous, messieurs. Merci. Eh bien, sans plus tarder, Salim Skandar nous emmène à Mostaganem vers une petite
balade pour, afin de découvrir un très beau sujet sur le printemps de la jeunesse de la musique andalouse. Et on se retrouve juste après avec nos invités. Après deux ans d'arrêt, c'est le retour du printemps académique de la musique andalouse, organisé à la Maison de la Culture de Mostaganem durant trois jours. Cette année, bon, c'est par rapport à la première édition, le festival s'étalera sur trois jours, le 30 juin, le 1er et le 2 juillet, qui verra la participation, si vous me permettez l'expression, la crème des musiciens de la musique andalouse algérienne. Avec cette particularité, cette année, c'est le lancement du concours de l'interprétation de musique andalouse des jeunes de moins de 25 ans qui vont se lancer dans l'interprétation de la musique andalouse. هذا التظاهرة الربيع الأندلسي يعطي فرصة باش الناس تستكشف النوع الأندلسي هنا بمدينة مستغانم لأن الأندلسي عنده أطباع كان أطباع التلمساني البجاوي ولكن مستغانم عندها هذا الطبع الخاص وبفضل هذه الجمعية جمعية النوبجة يعني حقيقة قائمين بواحد الواجب للحفاظ على التراث وسكي بيان في بنوبجة سكو قابدا كاع لي كاتيغوري تاع الدراري تيتاج وتبدا تطلع معاهم حتى وين يوصلوا للنيفو وحنا اوتونك بارون ليلف تاعنا بنتنا في لاسوسياسيون اي اون فوا بيان كيل ساميليور. Au menu de cette édition, un riche programme artistique avec la participation de chanteurs célèbres dans la musique andalouse. La soirée d'ouverture fut lancée par la troupe locale organisatrice de l'événement, Ibn Beja, avec la montée sur scène de la classe moyenne, puis en fin de soirée, la classe supérieure. هذه المبادرة قمنا بها في طوع باش نعطوهم فرصة باش يظهروا باش يبانوا وباش يقدموا مستويات أعلى وأعلى إن شاء الله الجمهور تاعنا وفي وكما تشوف لاصة الله يبارك راهي معمرة هادو كاع عائلات مستغانمية محضة كما يقول يتبعوا الموسيقى الأندلسية ومحافظين ويعرفوا واش راهم يتبعوا وبيان نشجعوا الشبان نشجعوا كاين اللي ما يعرفش الموسيقى الاندلسيه كاين اللي بغى يتعلمها كاين نعطوه فرصه باش يسمعها ثاني كلي جان صغار ثاني كلي يكونوا عاد محفزين بصح نعطوهم لوكازيون باش يبداو يبانوا ويتو موندولين هي اله جميله نبغيها انا نتمنى انه نزيد نتطور ونكبر في عائله ابن باجا مستغانم معروفه بالقعدات العائليه الاصيله ويحبوا الثقافه ودواقين ومحافظين كنا مغلوقين وقاعدين ماذا بينا نخرجوا بصح خرجوا هكا الله كيما هذه اللي حضرتوا لها اليوم. Une initiative hautement saluée par le public qui attendait avec impatience le retour des activités culturelles. Merci à Salim Skandar. Effectivement, on attend avec impatience le retour de toutes les activités culturelles. Eh bien, on est là, on sera là aussi pour les couvrir. Sans plus tarder, le printemps académique de la jeunesse de la musique andalouse qui s'est tenu à Mostaganem, eh bien, on parlera de cet événement avec Monsieur Bentounes Moulay, représentant de l'association Ibn Beja. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités à un tel événement, c'est-à-dire pour pouvoir justement transmettre cet événement de la musique andalouse. D'ailleurs, voilà. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir d'écouter quand même une nouba. Ah oui, oui. Parce que vraiment, quand on prend le côté musical et le côté poétique, parce que la musique andalouse, c'est des deux côtés. La musique adoucit les mœurs. Adoucit les mœurs, c'est surtout que nous, on a une culture plutôt mostaganam, on la calque surtout sur le côté chaabi, parce que voilà. mais le côté chaabi, c'est surtout l'oxyd. Exactement. Mais on aimerait bien que la musique andalouse, c'est les deux. Donc il y a le côté musical, donc le côté artistique ancestral, et plus de la poésie. Effectivement, voilà. Effectivement. Vous êtes accompagné de deux jeunes d'ailleurs. Alors, la jeune qui est là, elle a fait quand même le trajet de Tiaret à Oran. C'est la ville de Tiaret qui est à l'honneur aujourd'hui. Bonjour. Merci, bonjour. Ça va?
C'est mademoiselle Wassila Taïbi. Vous avez pu décrocher le premier prix. Très bien, vous êtes accompagnée du jeune Ben Dahman Abdeltef. Alors lui aussi, il a pu avoir et décrocher le premier prix masculin. Merci beaucoup. Merci. Alors on reviendra vers vous. Alors parlez-nous de ce beau printemps de la jeunesse et de la musique andalouse. Bon, nous avons célébré cette année donc la deuxième édition donc du printemps académique de la musique andalouse, de la jeunesse de la musique andalouse. Mm-hmm. La première édition elle s'est tenue donc en 2018 sur 4 week-ends. Et puis cette année, comme il y avait après il y a eu des problèmes, les aléas du Covid, donc on a décalé jusqu'au on est arrivé au jour J, donc on l'a organisé, donc alhamdoulilah, s'est très très bien passé. Très bien. Donc l'idée c'est qu'on a voulu faire participer les trois écoles de la musique andalouse algérienne, mm-hmm. donc le Gharnati, le Malouf et la Sanaa. Mm-hmm. Nos frères de Constantine, ils ont eu, donc à cause du Covid, malheureusement, ils n'ont pas pu participer avec nous, oui. Mais quand même on a eu donc le Gharnati. Mais on leur dit à nos amis de Constantine que ce n'est qu'une partie remise. Ce n'est qu'une partie remise, d'ailleurs ils le savent. Et on les invite, Inch'Allah, pour la prochaine édition. Inch'Allah. Donc, on a eu Nassim Lindelus, donc d'Oran, qui a participé donc, du côté donc, du Gharnati. On a eu l'honneur aussi d'accueillir Lila Boursali, qui nous a agrémenté avec son chant aussi. Merci pour elle. Très belle voix, d'ailleurs. Et puis, une aura, une présence. Layatiha Saha, merci beaucoup d'avoir accepté de participer avec nous à cet événement. Elle répond toujours présente, Lila Borsali. Ah ben, je pense qu'elle a une âme andalouse. Exact. Elle a une très belle âme andalouse, elle. Hein? Alors, surtout, ce qui faisait plaisir dans tout ça, c'est la participation de cette jeunesse. Parce que nous, le but essentiel de cet événement, c'est comment transmettre cet héritage ancestral de notre culture, de notre identité algérienne à notre jeunesse et comment la faire aimer. Voilà, on a un exemple ici donc, avec nos deux jeunes qui ont eu le premier prix, Barakallahu Fihum, et qui ont quand même pu faire une nouba, ce qui est une chose qui est évidente, même pour les grands chanteurs de la musique andalouse, c'est pas évident. Et il faut dire aussi qu'ils ont monté la barre très haute. Très très haute. Très très haute. Et par exemple, je prends le cas de Abd Altef qui a pris une nouba qui est très difficile, mais quand même il a chanté. Déjà, nous on a un grand problème aujourd'hui. On a du mal à trouver les voix masculines dans la musique andalouse. Ah ben on en a une. Voilà une qui alhamdoulilah, qui vient d'apparaître. J'espère qu'il, Inch'Allah, pour lui une carrière future. Puisque vous êtes en train de parler des jeunes, avec quelle nouba vous avez participé? Moi, j'en ai rien à dire. Ah, très bien. Est-ce que vous pouvez nous interpréter l'un après l'autre un tout petit morceau? Bien sûr. Vous venez de Tiaret, donc il faut écouter la musique qui nous vient tout juste de Tiaret. Sugar. Très bien. Ah, de Sugar. De Sugar. Eh bien, on salue tous les gens de Tiaret et aussi les habitants de Sugar. On leur dit bonjour. Belle voix harmonieuse d'ailleurs, Yatek Saha, vraiment. Et bonne continuation. Hein. Vous irez très loin, je pense que vous êtes de mon avis. Et là, je suis pas très avare et j'adore la musique. Donc, je vais demander justement aux jeunes de m'interpréter. Je dis bien pour moi. Je suis avare là-dessus. Hein. C'est pour moi. D'accord. Sans problème.
Une petite prestation. الربيع قبل وقد وعش البيطاح الربيع قبل وقد وعش البيطاح مدى يا عجبني قم ترى لأغصانا ملأت بالإيقاح من بكاء لموازني قم ترى لأغصانا ملأت بالإيقاح من بكاء لموازني. يعطيكم الصحة، vraiment bravo. Vraiment bravo. Franchement. Alors là, je m'adresse à vous. Quel est l'après, justement, l'après le printemps de la musique andalouse? Bon, l'après, nous... Parce que le EE, bon, ils sont là, ils ont eu le premier prix, il y en a le deuxième et le troisième prix. Alors quel est l'avenir justement de ces jeunes qui ont été primés? Bon, le but, le fait qu'ils ont été primés, nous on espère qu'ils vont évoluer dans leur carrière, qu'ils vont apprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur les 24 Nouba, malheureusement on en a perdu 12, il n'en reste que 12. J'espère qu'ils vont opter justement pour la maîtrise des 12 Nouba restantes, de pouvoir transmettre aussi cette vous avez du pain sur la planche. Du pain sur la planche. Et surtout, il y a aussi le côté poétique qui nourrit des consciences pour pouvoir justement transmettre à nos jeunes une certaine qualité, une certaine valeur. Parce que vous savez que la musique oriente la personne vers une stabilité, vers une certaine, je dirais, moralité, entre guillemets. Donc on aimerait bien qu'ils commencent aussi à puiser dans notre patrimoine poétique aussi, pour pouvoir justement avoir un certain niveau, une certaine approche de cette grande poésie qui va leur permettre d'évoluer et d'aller vers quelque chose vers l'amour, vers la paix, vers le fait de transmettre quelque chose d'artistique, vers des âmes qui pourra les élever leur rang. Et comme ça, ils auront dans leur vie quotidienne, ils ne seront pas perturbés par les mots quotidiens. Eh bien, on pense que la relève est là, ça va, et c'est rassurant. Merci beaucoup. Eh bien, Ibn Bedja sera présente avec nous certainement dans d'autres occasions. Inch'Allah. Marhaba bikoum, la porte de la télévision algérienne est grande ouverte. Barak vous, les jeunes aussi, marhaba bikoum, eh bien, on vous recevra certainement dans d'autres occasions. Ah. C'est toujours pour apprécier des sonorités andalouses. Eh bien, on se quitte en sonorité andalouse. On espère que vous allez nous jouer un petit morceau, pourquoi pas, pour finir. En duo. D'accord. En duo. Allez-y. Moi, je donne le mot de fin, mais allez-y, commencez. Eh bien, merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir, on va dire, suivis jusqu'à 10h avec une certaine brise d'été accompagnée et mitigée avec des sonorités andalouses. On vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. À la semaine prochaine avec brise d'été.